todos mis amigos que me están mirando sobre este video. Y ahora vamos a hablar sobre un punto muy importante. El punto que vamos a tratar ahí se basa sobre el verbo tener y haber. En español hay cuatro verbos que son más importantes que cualquier otro. Por lo tanto, en inglés hay dos. En francés hay dos. ¿Qué son? Hay verbos ser, estar, tener y haber. ¿Se ve? Hay verbos ser, estar, tener y haber. Son cuatro. En francés hay être y avoir. En inglés hay to be and to have. ¿Ve? Have to be. ¿Ve? De. Ya, nous disons bonjour avec tous les amis qui ont regardé dans la vidéo ça. Et je vous dis à nous allons parler sur un point très très important. Point ça, les basé sur le verbe tener et haber. Nous disons en espagnol qu'il y a quatre verbes qui sont plus importants que n'importe l'autre verbe. Et verbe ça, on parle que le verbe ser, le verbe estar, le verbe haber et le verbe tener. Nous disons en français qu'il y a deux qui c'est être et avoir. En anglais, il y a deux qui c'est to be et to have. Ok? Pour qui ça nous dit verbe ça, c'est ce qui est important. Verbe ça, il est considéré comme colonne vertébrale ou bien comme épine dorsale de n'importe quelle langue. Parce que chaque fois qu'on parle de terre, on ne peut pas utiliser l'autre verbe que le verbe être en français. Il ne peut pas utiliser l'autre verbe que le verbe ser ou bien le verbe estar en espagnol. Ok? Et nous avons déjà une raison qui fait le verbe être en français. Li divisé en deux en espagnol, nous gen ser, nous gen estar. Nous te gen tan wè yo et nous fait exercice sou yo. OK? Je t'ai donné le verbe avoir qui même gen avec verbe être. Avoir là, li divisé en deux tout. Nous gen tener, nous gen haber. Et nous pral wè ki jan ka utiliser verbe sa yo en espagnol soit le n'a pikri ou mou ou bien le n'a pas. OK? Bien. Conjugación del verbo tener y haber. Conjugación del verbo tener y haber. Conjugación del verbo tener y haber. ¿Cuáles son las razones que permiten a los españoles de dividir el verbo avoir en dos partes en español? Bien, las razones son, primeramente, se usa el verbo tener para la posesión. ¿Ok? Se usa el verbo tener para la posesión. Es decir, que cada vez que quiero decir en criollo, muy gagné, tel o tel bagay, debo usar el verbo tener. ¿Comprenden? Digo, en criollo, chaque fois me plaît, muy gagné, tel o tel chose, eh bien, m'utilise le verbe tener. Dice, le verbe tener, c'est pour chose posséder, espagnol, utiliser. Ok? Y, por ejemplo, Lamdi, yo tengo 20 dólares. Yo tengo 20 dólares. Si me gané 20 dólares. Bueno, yo tengo 20 dólares. Me gané 20 dólares. ¿Cuántos niños tienes tú? ¿Combien de niños tienes tú? ¿Cuántos niños tienes tú? ¿Combien frères tienes tú? ¿Cuántos hermanos tienes tú? Combien de frères vous avez? Quantas hermanas tienes tu? Combien de sœurs vous avez? Ouais. Chaque fois que je dis bagay, possédez bagay qui appartient à vous, on utilise le verbe tener. C'est-à-dire, on emploie le verbe tener pour la possession ou l'appartenance. Ok? Chaque bagay qui appartient à vous, on doit utiliser le verbe tener pour lui. Ok? Voici la conjugaison. Le présent de l'indicatif. Yo tengo. Tú tienes, él tiene, ella tiene, usted tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen, ellas tienen, ustedes tienen. Bueno, le présent de l'indicatif du verbe tener, c'est yo tengo, tú tienes, él tiene, ella tiene, usted tiene. Nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen, ellas tienen, ustedes tienen. C'est comme si me disais en créole. Yo tengo, moi gagné,
tú tienes ugeñe, él tiene ligeñe, ella tiene ligeñe, usted tiene ugeñe. Voilà, j'ai deux façons pour me dire ugeñe en espagnol. Je suis capable de dire tú tienes ugeñe ou bien me dire usted tiene. OK? Que tiene usted ahí? Imaginez-moi ou faire le visage ou tant que monde qui gon baga fait le mal, ouais. Il me dit que tiene usted ahí? Soit bien là. L'autre jambe garde l'homme dit que tiene esto ahí? Qui soit bien là? Ouais, pas de problème. Bien. C'est le verbe tener. Nous sommes ensemble de nous. Nous utilisons le verbe tener pour la possession ou bien l'appartenance. Chaque fois que le bagage appartient à un monde ou bien lui pour un monde, on va utiliser le verbe tener pour lui. Ok? Par exemple, on va dire je tengo 20 dollars. Moi, j'ai 20 dollars. Quantos niños tienes tu? Combien petit tu gagnes? Ouais, c'est le verbe tener. On ne peut pas utiliser le verbe haber dans le cas ça. Ok, nous allons parler de verbe haber. Alors, laissez-moi dire nous tout. Deux verbes ça, enfin, les tener et haber, c'est deux verbes irréguliers. Normalement, les verbes irréguliers sont des verbes qui ont une série de changements qui fait là-dedans, qui sont différents avec verbes réguliers. Nous allons vous dire en voyant. Et là, nous allons prendre le soin pour m'expliquer nous détails qui fait nous dire ces verbes irréguliers. Ok, alors le verbe haber, pour qui ça blanc espagnol utilise lui-même? Il utilise le verbe haber comme verbe auxiliaire en espagnol. Il dit c'est l'unique auxiliaire. Mais laissez-moi dire nous, le verbe estar, il utilise comme un semi-auxiliaire. Parce que il y a quelques verbes en espagnol, on ne peut pas mettre le verbe haber devant comme auxiliaire pour le moment d'entendre composé. Par exemple, si on a posé un verbe au passé composé, ouais. Pap ka on le verbe haber. Par exemple, si vous avez tant pour casser, c'est obligar. Pas qu'à mettre le verbe haber, le verbe pour pas moins longtemps composé. C'est le verbe estar m'a utilisé. Ok? Le verbe cansar, c'est le verbe estar m'a utilisé. Ouais? Mais c'est ça qui fait, vous considérez le comme un semi-auxiliaire. Par exemple, si je dis je suis fatigué, pas qu'à dire est fatigado. Non, pas qu'à dire est cansado. Ouais, par exemple, si je dis je suis fatigué. Dans le sens moins bouqué, hein? Pas qu'à dire est cansado. Même dire estoy cansado. Ok? Pas un problème, non? Bien. Alors, nous disons que quelques verbes, nous ne pouvons pas mettre à ver. Nous devons les verbes casarse. Si je dis je suis marié, pas qu'à dire est cansado. Je dis estoy cansado. Ouais? Estoy cansado. Même pas qu'à dire est cansado. Nous devons les verbes obligar. Pas qu'à dire obrigado. Je dis estoy obrigado. Ok? Mais le verbe haber, c'est l'unique auxiliaire qui gagne dans la langue ça, qui c'est espagnol là, qui est différent avec le français. Le français lui-même, nous avons deux auxiliaires. Nous avons auxiliaire être et auxiliaire avoir. Par exemple, nous avons le verbe venir. On ne peut pas mettre l'auxiliaire avoir devant. C'est l'auxiliaire être. On ne peut pas dire j'ai venu. On ne peut pas dire t'as venu. On dit je suis venu, pas vrai? Mais pour l'espagnol, c'est différent. Ouais? On peut l'auxiliaire avoir devant sans problème. On dit e venido. Ouais? As venido. Hey, je suis venu, t'es venu, ouais. Par exemple, Dadi, j'ai pu, tu as pu, ouais, c'est le verbe pouvoir. Mais ça conjugue à l'auxiliaire avoir, ouais. Mais dit épodido, aspodido, ouais, pas de problème. Bien, alors, verbe salim, qui j'aime conjuguer en espagnol. Le présent de l'indicatif, précédent de l'indicatif, dit e, ouais, verbe là c'est haber, pas besoin de dire son verbe irrégulier, ouais. Alors, verbe irrégulier, yo, le verbe conjugué, yo, je presque détache des formats infinitifs là. Par exemple, on me dit haber, pas vrai? Voilà, mais après on me dit e. Ouais. Parce qu'il pas de rapport. Pas de rapport, non? Ouais. Haber, là on me dit e. As, a, imos. Abeis, an. S'il était un verbe régulier, on me dit abo, abis, abe, abimos, abeis, aban. Étant donné qu'ils sont verbes irréguliers, il ne va pas conjuguer. Changer moins infinitif, non, pas capable. C'est peut-être ça nous dit e, as, a, emos, abeis, an. Kounya, qui j'aime qu'à utiliser? Si je fais une phrase avec le verbe tener dans le passé, et puis je prends le verbe haber, mais dans la place tener là, et souvent qu'à dérangeant dans les oreilles. Hein? Et des fois, sont en dérangeant, c'est possible pour le pas bon. Ok? Par exemple, si m'ta dit "Oi, e benido a hablarte." Ndi jodi a m'te vin parler avec ou, ouais? "Oi, e benido a hablarte." Benido, c'est le participe passé du verbe venir, c'est le verbe venir. Ndi jodi a
te vin parler avec vous. Hoy he venido a hablarte. Je tiens de vin parler avec vous. En garde pour moi si nous avons le verbe tenir, si nous avons. Hoy tenía a hablarte. Ouais? Ouais ça? Pas de sens. Hoy tuve a hablarte. Ouais? Hoy tenía a hablarte. Hoy tuve a hablarte. Non. Ouais? Il n'y a pas de sens. Parce que, qui sens est venu là? Il y a un sens? Jodi am te gen parler avec vous. Ouais? Jodi am te gen parler avec vous. Ouais, m'pa ka mette le verbe tenir, m'pa ka utiliser le verbe tenir. Ouais. Mais m'di oi e benido abrarte. Je dis am te vin parler avec vous. Oi e benido a contarte algo. Je dis am te vin raconter quelque chose. Ouais. C'est le verbe haber. J'utilise le comme verbe auxiliaire. Ça veut dire, il est là pour placer devant participe passé l'autre verbe. Laisse ça dire verbe moyen, il vient dans temps composé. Il dit temps passé simple. Ok. Bien. Comme rappel, nous dit, nous gagnons deux verbes en français qui c'est être et avoir, qui considéré comme épine dorsale de langue ça. Et nous gagnons be et have pour anglais. Hein? Mais pour espagnol, nous dit quatre parce que être là gagne deux têtes qui c'est ser et star. Avoir gagné deux têtes tout qui c'est tener et haber. Et bien pour l'espagnol, là, nous gagnons quatre. Nous dit quatre verbes ça yo c'est sous yo langue espagnole la chita. Pour qui raison dit ça? C'est parce que tout ça on pourrait dire en rapport à moins mais c'est le verbe star ou bien le verbe ser. Tout ça on gagne pour dire qui en rapport à moins gagne ou même te gagne mais soit le verbe tenir ou le verbe haber. Ouais ça? Pas une pièce problème. Bien, nous sorti que tout monde sorti est différent ça nous faire. Ça veut dire nous croyons que tout monde comprend. Kounya le on va parler. On va parler de tête ou on va prendre le verbe ser ou bien le verbe star pour utiliser. Et nous voyons déjà, on va prendre qui bon et qui j'en pour utiliser. Et quand nous avons le verbe tenir, mes conjugaisons en devant, nous disons tengo, qui c'est moins gay, tu tienes, qui c'est ou gay, elle tiene ligue, ella tiene ligue, pour le féminin, nosotros tenemos, nous gagnons, vosotros tenéis, nous gagnons. Mais nous, ça, c'est deuxième nous créole là. Et puis, il me dit, « Eyo stienen, yo genye, eya stienen, yo genye. » Ou stienen, qui c'est nous genye toujours. OK? Alors, restaurez-vous dans mes noms. L'homme dit restaurez-vous dans mes noms, pour nous arrêter avec vous, même pour nous pratiquer. Et si vous avez une question pour moi, après nous parler, yo. Et nous avons dit avec les gens qui ont demandé nos verbes irréguliers, yo. Et pas oublier, il y a un pile dans nous qui connaît ça n'a fait yo mais comme ça tout gagne un bon nombre dans nous tout qui pas connaît yo là nous dit qui pas connaît nous considérons comme bébé qui a boit la bouillie et bien ou même qui déjà gagne dedans ou jeune banane on va manger ou venir la bouillie à boire mais bébé ou même sous bar banane on pas manger mais à boire la bouillie d'accord mais n'a pas sorti de la bouillie pour passer dans du pour venir dans banane les ça bébé a venir grand monde pour venir dedans même j'ai avec nous. C'est-à-dire tout le monde va être satisfait. D'accord? Donc, pour la fête, c'est pour nous de faire. Ouais? On va le faire pour une portion, pour notre portion sentir exclue. Et même si vous pensez que ça n'a pas fait, ou déjà qu'on est, mais nous demandons de prendre le temps pour garder parce que on va toujours jouer nos bagages quand même. Pas de problème, ça n'a pas fait. Bien. Et là, on va servir à la main de Sarah comme vous serez, pour que vous venez à parler. Sobre un punto muy importante, el punto que vine a hablar con ustedes ahí era el verbo tener y el verbo haber. Como les dije ahorita, estos verbos siguientes hacen parte de un verbo más importante sobre en el idioma español. Porque cuando se quiere decir algo que se pertenece a usted mismo, es el verbo tener. Y cuando se quiere decir algo en el tiempo pasado, es el verbo haber que van a utilizar ahí. Bien, es por eso que les digo que estos verbos siguientes son muy importantes para saber. Bien, nos vemos.